pour calculer ce produit, on pourrait appliquer la double distributivité. Mais avec ce produit remarquable, nous sommes un peu plus rapides. Nous avons un premier nombre plus un deuxième nombre fois le même premier nombre moins le même deuxième nombre est égal à cette différence des deux carrés. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Voilà le premier nombre 7x cube, voilà le deuxième nombre y au carré et le plus entre les deux. Là, il y a un moins entre ce même premier nombre et ce même deuxième nombre. Donc, en appliquant cette formule, nous trouvons de suite que c'est la différence de ces deux carrés. Pour calculer ce carré, nous avons besoin de cette formule-là qui dit que 7 fois x au cube, le tout au carré, c'est la même chose que 7 au carré fois x au cube au carré, donc comme ceci. Et dans ce terme-là, nous avons utilisé cette formule qui dit que dans ce cas, il faut multiplier les exposants. Donc ici, nous calculons y exposant 2 fois 2. 2 fois 2, c'est ce 4. Et pour calculer ce carré-là, nous utilisons également cette formule qui dit que c'est x exposant 3 fois 2, c'est-à-dire x exposant 6. Donc finalement, nous avons 7 au carré, c'est-à-dire 49, fois x exposant 6 moins y exposant 4. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.